pense que l'imitation n'est pas nécessaire pour l'apprentissage d'un talent. Ce qui distinguerait du coup du génie qui, lui, Kant nous l'a appris, hein, ne s'apprend pas. Le génie, justement, n'est pas le fruit d'une éducation, mais en revanche, la technique du peintre qui est nécessaire à la création artistique, elle, passe nécessairement par une forme d'imitation de modèle qui le précède. Absolument. Là, juste pour répondre très rapidement à la première partie, vous avez dit, pour qu'il faut qu'il y ait signature. Hein. Pour qu'il y ait en tout cas marque de signature. Une volonté d'appropriation. Attention, c'est même la définition juridique. Hein. C'est-à-dire que si je fais un faux Picasso, mais que je signe Jacqueline Lichtenstein, et il y a des faux faussaires comme ça, il y a des gens qui ont fait des artistes absolument. Au XXe siècle, ils ont beaucoup joué, ça, après Duchamp, ils ont beaucoup joué avec ce type d'opération, qui ont fait des faux Matisse, mais signés de leur propre nom. Hein. Mais en tout petit, et c'est très intéressant, parce que le but qui est recherché, c'est de troubler la perception. C'est-à-dire, ah, c'est un Matisse. Puis je regarde la signature, je dis, mais non, c'est un Matisse, mince, je me suis fait avoir. Et donc je regarde le tableau autrement. Hein. Donc voilà, donc le faux implique l'intention de tromper, même si c'est compliqué. Alors maintenant, pour revenir à la question de l'imitation, de la copie et de la conférence de Philippe de Champaigne, il est donc, à partir du moment, comme je le disais tout à l'heure, où l'art est une imitation de l'art, évidemment surgit la nécessité de distinguer la bonne copie. La copie est un exercice fondamental pédagogique. Hein, je veux dire, on apprend en imitant, en copiant les maîtres. Hein, et c'est la formation de l'artiste à l'académie hein, qui dessine d'après l'antique, hein, en copiant les sculptures antiques, qui copie les tableaux, ça souvent c'est dans les ateliers hein, plutôt, ou qui copie évidemment, qui dessine d'après le modèle vivant. Mais donc on copie les maîtres, on imite les maîtres. Simplement, le danger, c'est de devenir ce que Philippe de Champaigne appelle un copiste de manière. Hein. C'est-à-dire qu'en copiant, on arrive plus. Parce que qu'est-ce que c'est que le style propre? Au fond, c'est ce petit écart qui fait qu'à partir de la copie, on va produire quelque chose qui est propre. Et là, la métaphore, enfin, c'est pas la métaphore, c'est un lieu commun, c'est un topos très connu à l'époque, c'est celui de l'abeille. Hein. C'est-à-dire que l'artiste doit être le peintre ou le sculpteur ou le poète, l'écrivain doit être comme une abeille qui prend toutes les fleurs pour ensuite fabriquer un miel qui n'est qu'à elle. Ça, c'est vraiment la conception classique de la production liée à l'idée d'imitation, qui fait que la bonne imitation, c'est celle qui permet de se nourrir absolument de tout, de prendre à tout. Hein. Ce que dit La Fontaine, j'en aime qui sont du Nord, j'en aime qui sont du Midi, mon imitation n'est pas esclavage. Hein. Le copiste de manière, c'est l'imitation qui devient esclavage. Bon. Et à partir de là, pour faire une œuvre que l'on appellera aujourd'hui originale, mais en insistant quand même sur l'idée que la valeur d'originalité est quand même une valeur très récente. Hein. Je veux dire que une œuvre d'art n'avait pas à être originale, n'existait pas, c'était pas son objet. Alors, juste, c'est très difficile, les frontières, vous avez posé la question, la frontière et les frontières sont très difficiles à définir, enfin, elles sont constamment fluctuantes entre la copie, le faux, le pastiche, les à la manière de, etc. C'est ce que j'appelle toutes ces variantes ou variations autour de l'idée de mimesis, mais qui ne serait pas possible sans l'idée d'imitation. Mais je crois que c'est l'idée que l'on crée en copiant, qu'on apprend à créer, même si le mot création est là aussi un terme assez récent dans le vocabulaire artistique, hein, puisqu'il était réservé à Dieu avant, hein. C'est très tardivement qu'il entre dans le vocabulaire de l'art. Hein. Il y avait une magnifique exposition il y a très longtemps au Louvre qui s'appelait « Copier-créer », dont je garde un souvenir absolument inoubliable, hein, qui montrait comment un tableau, par exemple la mise au tombeau de Titien, il y avait une copie de Delacroix et une copie de Géricault. Il y avait des tout petits écarts, infimes. Hein. Mais c'est ces petits écarts qui faisaient la différence entre Géricault, Delacroix et Titien, et la différence entre Géricault et Delacroix. Et qui faisait aussi le fait qu'il y avait deux peintres du XIXe siècle et un peintre du XVIe siècle. Donc cette idée que la création implique un passage par la copie, par l'imitation, ça a toujours été vrai en peinture.
jusqu'à aujourd'hui, ça a été vrai en littérature, c'est magnifiquement analysé par Genet aussi, et par ces exercices que peut-être certains d'entre vous ont encore connus dans leur jeune âge. Imaginez que vous êtes Madame de Lafayette et que vous... Alors là, c'est la question du pastiche. Oui, hein, c'est toujours l'imitation. On revendique l'imitation pour essayer de faire ressortir les particularités d'un style. Voilà, oui. Pour apprendre. Et donc ça, ça faisait vraiment partie de la formation, de l'apprentissage, Proust a écrit sur... là-dessus, etc. Mais donc c'était quelque chose de tout à fait normal dans la formation, l'éducation, mais c'est pas la question du faux, parce qu'il n'y avait pas la question de l'originalité qui se posait comme aujourd'hui. Et ça déjà, cette appellation-là est anti-platonicienne, et je parlais d'Aristote, parce qu'en fait c'est Aristote qui reconnaît les bienfaits de l'imitation, qui dit dans la poétique que l'enfant a une tendance naturelle à imiter, et surtout à trouver du plaisir aux imitations. Et là, on peut sortir du coup d'une condamnation morale du faux en art, qui serait forcément du côté du mauvais, voire du faux, et reconnaître le plaisir esthétique. Absolument. D'abord, la condamnation morale de l'art, du faux est une chose très récente. Hein. Je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus. À savoir, c'est vraiment c'est depuis le 19e siècle, enfin, c'est même au 20e siècle, qu'on a un jugement moral. Et qui est une sorte de chasse aux faussaires, alors bon, pour des tas de raisons qu'on peut expliquer, qui est une condamnation morale. Ça n'a pas été le cas auparavant, et je crois que c'est lié vraiment à l'idée d'imitation, là vous avez tout à fait raison, hein. C'est qu'Aristote, en définissant de manière positive l'imitation, dans le fameux chapitre 4 de la poétique, hein, que les hommes prennent plaisir à imiter, et que l'imitation est naturelle, sauve les arts de l'imitation, les arts de la condamnation platonicienne, et définit ce que nous appelons les arts, les beaux-arts, selon le principe de l'imitation. Mais ça ne pose pas encore la question du faux. Le problème du faux, je pense, pour qu'il commence à se poser véritablement, c'est pour ça que je crois que c'est important de dire que ça se pose à la Renaissance, suppose une nouvelle idée d'imitation qui n'apparaît qu'à la Renaissance. Parce qu'au fond, à partir d'Aristote, pour aller très vite, on a deux idées d'imitation, de définition de l'imitation. L'imitation de l'histoire, donc ça c'est celle qui est dans la poétique, hein, la poésie est une imitation des actions, de l'histoire, etc. Et l'imitation de la nature, qu'on trouve dans la physique. Donc ça, ça va donner deux conceptions de l'art comme imitation de l'histoire, imitation de la nature. La troisième définition de l'imitation qui n'apparaît qu'à la Renaissance, c'est l'idée que l'art est une imitation de l'art. Et c'est là que la problématique du faux va commencer. Hein, que la question va commencer à s'interroger sur le faux, quand on attend du peintre ou du sculpteur, non pas seulement qu'il imite l'histoire ou qu'il imite la nature, mais qu'il se réfère à des modèles antérieurs, que l'art imite l'art, à ce moment-là commence le règne de la copie, la question de la formation de l'artiste, et la question, donc l'imitation prend totalement une nouvelle tournure, puisqu'au fond, la production artistique s'inscrit dans une histoire de l'art où l'art se réfère à l'art, et ça on le sait qu'un peintre, avant de se référer à la nature, encore aujourd'hui au monde extérieur, il se réfère d'abord au tableau. Un tableau ressemble à un tableau avant de ressembler à l'objet auquel il prétend, enfin il est censé ressembler. Donc ça, je crois que c'est cette troisième idée de l'imitation qui se met en place avec l'humanisme à la Renaissance, qui va totalement transformer la problématique du faux, de la copie, parce que bien sûr, il y en avait, de toute façon, les sculptures, ce que nous appelons les sculptures grecques, sont des copies romaines, il n'y a pratiquement aucun original grec qui est survécu ou qui est subsisté, donc ce sont des copies romaines, mais ça n'a jamais posé un problème. Hein. C'est vraiment à partir de la Renaissance, parce qu'on a tout à fait une nouvelle conception de cette idée. Il a fait des faux Durer, où très subtilement et très honnêtement d'ailleurs, il a mis le monogramme. C'était commandé par la famille de Durer, parce qu'il n'y avait pas assez de Durer sur le marché. Hein. Ça a toujours existé. Hein. Il a mis le monogramme de Durer et le sien. Ah. Est-ce que c'est moins parce qu'il a fait des Durer que Durer n'avait pas fait, mais à la manière d'eux? C'est très compliqué. Et qu'est-ce qu'on cherche à prouver? Mais oui, si Durer n'avait pas existé. Si Durer n'avait pas existé, mais alors je prends un autre exemple que Durer, c'est un peu tôt. Par exemple, Coisevaux fait une Vénus à la coquille que vous pouvez voir au Louvre. C'est une copie de Phidias. Il signe Coisevaux. Et si vous regardez, il a mis Phidias aussi. Il a mis les deux. Hein. Quelle a été la réaction? On connaît la réaction des gens de l'époque. Hein.
c'est-à-dire c'est admirable. Ça prouve que c'est un aussi grand sculpteur que Phidias. Bon. Alors vous allez me dire, si Phidias n'avait pas existé, oui, mais l'art se réfère, se rapporte à l'art. C'est ça le problème aussi. C'est pour ça que j'avais au début, j'avais insisté sur cette idée que la question ne commence à se poser d'une manière intéressante, je dirais théoriquement, qu'à partir du moment où l'imitation de l'art est une imitation de l'art. Hein, où l'art imite l'art. Alors, il n'y a jamais de premier. Hein, je veux dire, Picasso, si vous dites oui, mais je suis d'accord, je ne veux pas du tout mettre sur le même plan Picasso et le faussaire de Picasso. Je pense que c'est des génies propres. Mmh. Je n'aime pas beaucoup le mot génie, ceci dit. En fait, ils ont des talents propres, tout ce que vous voulez. C'est vrai que d'un côté, il y a une invention, etc. Mais c'est vrai pour la littérature aussi. Bien sûr, il n'en reste pas moins que ça oblige quand même à s'interroger sur cette sorte de mouvement de régression à l'infini qui fait, est-ce qu'il y a... Vous savez, je reviens à mon XVIIe siècle, c'est quand même au XVIIe siècle que tout d'un coup, originalité s'est confondue avec origine. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on a commencé à penser au XVIIe siècle, notamment à propos de Corneille, ou de La Fontaine, être original, c'est être l'origine de ce que l'on fait. Hein. Bon. C'est très difficile, mais ceci dit, bien sûr, le faussaire n'est pas quelqu'un qui invente. Ça nous rassure en même temps. Ça nous rassure, ça maintient nos catégories bien distinctes. Si vous voyez, ce qui m'intéresse dans le faussaire, c'est la manière dont il me met en cause. Mais pas seulement moi. Hein. Il oblige à poser des questions, il oblige à s'interroger, il fait vaciller, il introduit un doute. Alors les marchands, évidemment, les experts, évidemment, ça c'est un doute incontestable, mais il introduit aussi un doute théorique, philosophique, qui ne concerne pas seulement la question des attributions et d'expertise. Non, c'est qu'effectivement, l'idée de l'auteur, l'idée d'auteur, de création, d'originalité, etc., sont des idées récentes. Hein, et un mythe s'est construit à partir de là, mais aussi bien pour la peinture, que, aussi bien dans le domaine de la peinture que dans le domaine de la littérature. Il y a toute une littérature au Moyen-Âge qui n'a pas d'eau, enfin, qui n'a pas d'auteur. Et dans le cas de la peinture, par exemple, on oublie trop souvent que la peinture est une pratique d'atelier. Hein, que Rubens, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça c'est aussi une distinction que fait Goodman entre autographie et allographie, mais qu'est-ce que ça veut dire que de dire que Rubens est l'auteur des tableaux de Rubens, hein? Trois quarts des tableaux de Rubens ont été faits par l'atelier, hein? Raphaël, pareil, Rembrandt, pareil. Alors c'est quoi être auteur? Donc c'est un travail, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas l'auteur, mais ça veut dire aussi que c'est la notion d'auteur qui ne correspond pas à notre vision romantique et très mystifiée et mystifiante de l'auteur, il faut bien le dire, hein, ou du créateur qui s'est mis en place, oui en gros à l'époque du romantisme, hein, mais qui ne correspond absolument pas à la réalité de la pratique artistique picturale. Littéraire, c'est plus compliqué, mais en tout cas, ça ne correspond pas du tout à la pratique. Encore que si la Bruyère a raison, tout est dit et on vient trop tard. Hein. Bon. Mais en tout cas, ça ne correspond pas à la pratique artistique jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, et ça ne correspond pas non plus aux pratiques contemporaines. Hein. Buren, c'est des ateliers. Je veux dire, beaucoup d'artistes contemporains travaillent comme des artistes de la Renaissance. Ou du XVIIe siècle. Le cinéma aussi, un réalisateur. Est-ce qu'il est auteur qui écrit le scénario, qui prend l'image, qui le monte ensuite, voilà, pourtant il réalise le film. Et les débats, il y a eu des débats, j'ai pas bien suivi, mais je me souviens qu'il y a eu ce film où il y a eu des batailles juridiques, là, ce film là, qui, avec des enfants de l'école là, qui a été primé à Cannes, où les enfants ont protesté parce que. En fait, c'est le metteur en scène qui s'est entièrement attribué l'authorship du film. Hein, c'est un très beau film sur l'école. Donc, effectivement, c'est la question du cinéma. Simplement, le cinéma, on l'admet plus facilement parce qu'on sait que c'est une industrie. Hein. Mais je pense que c'est une catégorie qui pour aussi, bien sûr.